Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des exercices, c'est-à-dire faire des tables de multiplication, ou bien faire tester un nombre s'il est premier ou pas. Si on va utiliser, si nous allons venir sur une dev module, donc on va créer, pour être rapide, on va créer un nouveau projet. Donc Android, clique sur Android ou OS. Donc l'application qu'on va créer c'est sur Android uniquement. Projet vierge, génération de table de terre. Donc pour un, je le nomme multiplication. 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 Suivant, ne pas gérer les GDS. Voilà, utiliser la charte de programmation. Fenêtre par défaut. Fenêtre par défaut. Je prends cette fenêtre-là. Session de création projet, je n'ai pas besoin de base de données. Terminé. Voilà, nouvelle fenêtre. Fenêtre ici. Je vais prendre une fenêtre vierge ici, vierge tablette Android générique. Fenêtre s'appelle multiple. Voilà. Donc je vais créer un champ de saisie ici. Pour saisir le nombre que je veux calculer sur la table de multiplication, je vais créer un champ de saisie. Voilà, un champ de saisie ici. Et un bouton ici, le bouton je vais le nommer test. Voilà, le son de ceci, le nom, je mets sous description. C'est 101, c'est multiple, je le nomme c'est multiple. Appliquer, ok, teste la fenêtre. Je lance ici. Donc je vais essayer de le déléguer sur un téléphone Galaxy X. Voilà, c'est mon champ de saisie ici. Je peux mettre des nombres ici. Voilà, je reviens ici. Le champ de saisie, description. Type, le type, je change le type, je mets. Oh, le type c'est... Je mets en numérique. Ici le type, je le mets en numérique. Appliquer. Ok. Voilà. Ici le bouton test. Donc je vais venir sur le bouton test. Clic droit sur le bouton test. Code. Donc je vais faire ici la table de multiplication. Donc j'ai besoin de i. Donc i, je l'ai déclaré. I est un. Entier, je vais déclarer i est un entier. J'ai aussi besoin de multiple. Donc, bien, je nomme i, virgule, résultat. Sont des entiers. Sont des
sont des entiers. Voilà. Donc je vais parcourir pour je vais mettre pour i allant de 1 à c multiple pour i allant de 1 pour i si je lui ai égal pour i égale 1 pour i égale 1 à c multiple donc résultat n résultat égale donc je vais afficher ici plus affiche plus affiche c'est multiple plus quoi j'ai multiple plus c'est-à-dire je vais avoir 5 plus 5 fois 2 donc je vais le concatener avec 1 fois encore un plus ici un plus ici je vais le concatener avec i concatené avec égal je mets égal je le concatène avec i multiplié par c multiple virgule la visa c'est courte durée je le mets au milieu voilà centré je le relance ici le test je vais tester 5 je clique sur test voilà 5 fois 5 5 fois 10 5 fois 3 4 jusqu'à 5 fois 5 25 ici il a arrêté à 5 donc pour i à 1 à 6 multiple donc je n'ai pas arrêté ici je vais arrêter à 12 voilà ici tos affiche il va afficher de courte durée si je mets tos affiche longue de longue durée il va disparaître immédiatement donc je vais relancer la scène de test je mets 5 ici je clique sur test voilà 5 jusqu'à 5 fois 7 je ici je vais essayer de diminuer aussi un peu je le mets à 75 la table 7 voilà 7 fois 8 ici le reste il l'a affiché en bas c v o affiché en haut le test encore pour voir table 8 voilà 8 jusqu'à 8 fois 12 donc c'est la table de multiplication mais immédiatement il va disparaître voilà à la prochaine inchallah.